La Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire entend bien améliorer la vie de ses adhérents. À l'occasion du forum de l'agence ivoirienne de presse autour du thème MUJEFSI, 50 ans après, actions, défis et perspectives, Paul Nyugbo a présenté les mesures d'urgence mises en place pour améliorer la prise en charge des mutualistes. Vous comprenez que ça fait 2 ans que nous sommes excédentaires et cet excédent, ces 2 excédents-là, nous a amené à diligenter une étude actuariale pour voir dans le sens d'une prise en charge plus accrue des fonctionnaires agents de l'État. Notre souhait, c'est qu'à partir de l'année prochaine, la prise en charge soit portée à 80% des prises en charge au niveau des fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire. Parmi les dispositions envisagées, la gratuité des cartes de prestations pour les fonctionnaires et leurs ayants droit, la suppression des produits Ivoire Pharmacie et Ivoire Pharmacie Plus. La MUJEFSI entend mettre à la disposition de l'État les éléments nécessaires pour une meilleure prise en charge des fonctionnaires et agents de l'État au regard des pathologies pernicieuses présentes dans la société. Les mutualistes bénéficieront désormais d'une couverture pharmaceutique allant de 80% contre 70% récemment.